Et salut tout le monde, c'est Steven de Pamé, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo. On est sur une vidéo, nouvelle vidéo explication actuellement. Alors c'est encore une fois une vidéo un peu random et aussi pour vous expliquer des trucs. Du coup déjà, c'est une vidéo explication, mais surtout déjà avant de dire les trucs, je vous souhaite des bonnes vacances puisque nous sommes en vacances maintenant, nous sommes en juillet. Du coup bah normalement vous avez fini l'école. Jusqu'à septembre. Non, non mais plus sérieusement, passez les bonnes vacances, passez des bons moments avec votre famille et votre amis. Et aussi profitez-en à faire vos trucs. Vous êtes maintenant libre. Donc voilà, pas 100% libre. Je sais pas qu'est-ce que je dis, mais bon, passez quand même les bonnes vacances quand même. C'est qui est cool. Voilà. Alors je vais vous dire trois trucs pour un peu le... pour animer la vidéo et tout, parce que ouais, c'est intéressant. Alors déjà le 1, pourquoi je fais moins de vidéos que prévu? Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué depuis des mois, que je fais moins de vidéos, que je fais environ une vidéo par semaine. Parfois si j'ai des idées, je fais une vidéo par jour, mais après j'arrête. La raison pourquoi, c'est parce que déjà le 1, comment dire ça, de 1... j'ai envie un peu de freiner les vidéos parce que sinon je stresse beaucoup à chercher les idées chaque jour et tout. Et du coup, ben c'est un peu dur si tu fais une vidéo par jour à trouver des idées. Parce que faire une vidéo par jour, c'est pas facile. Hein, parce que pour faire une vidéo par jour, il faut trouver des idées chaque jour. Et surtout, il faut beaucoup bosser sur les vidéos pour que tes vidéos ils restent le plus bon possible. Avec des bons concepts et tout. Du coup, c'est pas réellement évident. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu freiné. Deuxième truc, c'est parce que j'en ai plus profité de la vraie vie que l'ordinateur. J'en ai plutôt fait mes trucs avec ma famille et tout. Genre, aider mes parents et tout. Et aussi peut-être faire des trucs comme... parfois, je peux y aller sur l'ordi à faire des trucs Unity ou je sais pas. Parce que parfois, je vais l'ordi pas seulement pour YouTube, mais aussi à faire mes autres trucs. Genre Unity ou faire des autres trucs. J'en ai aucune idée, mais bon. Et voilà quoi. Et troisième, c'est parce que ben j'ai plus d'idées de vidéos à faire. J'en ai pas beaucoup. À part faire peut-être des vidéos Minecraft, mais j'en ai réellement peu d'idées. Minecraft, j'en ai fait trop de fois. Et j'avais pensé à faire, genre, je sais pas, plus de. Comment dire ça, plus de jeux, peut-être dans le futur. J'en ai aucune idée. Mais sinon, j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos. Et ce serait sympa si vous voulez me dire les idées des vidéos. C'est pas obligatoire, mais si vous me suggérez des jeux ou je sais pas quoi, ou votre jeu, si vous avez créé un jeu ou je sais pas quoi, je peux peut-être les tester en vidéo. Comme ça, ben ça fait une vidéo de plus et comme ça, je peux vous faire plaisir à vous tous. Voilà. Alors, deuxième truc, c'est qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Parce que dans le futur, j'ai envie de faire plus de trucs, comme par exemple faire plus de shorts pour essayer de faire plus de. D'abonnés et de vues, parce que en ce moment mes abonnés ils montent presque plus trop parce que je fais moins de shorts et vu que je suis moins régulier, bah moins de gens m'abonnent, mais c'est pas forcément que ça, c'est peut-être aussi parce que mes contenus ils intéressent pas trop, je sais pas, ou peut-être que mes contenus sont répétitifs, je pense pas, mais bref. Donc, bref, j'avais pensé à faire plus de shorts dans le futur, faire aussi des animations, mais des animations, j'essaie de faire les mieux possibles. Avec les dessins vraiment bien faits et tout, et voilà. Et peut-être faire plus de vlogs dans le futur, et aussi plus de tutoriels, et plus de jeux dans les jeux sur Unity. Genre, je sais pas, peut-être faire des mises à jour sur Game in a Game, c'était cool comme jeu. Peut-être je vais faire plus de mises à jour avec ce jeu et tout, on sait pas. Je vais voir dans le futur, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire plus de shorts, plus d'animations dans le futur et tout, et plus de vlogs et plus de tutoriels. Comme d'habitude, voilà. Et le dernier truc que je veux dire, c'est que j'ai envie vraiment atteindre les 1000 abonnés avant les 2025. Je sais pas honnêtement si c'est possible parce que vu que mes abonnés qui mentent pas beaucoup, je sais pas si je vais vraiment atteindre les 1000 abonnés. Mais bref. Mais de toute façon, je me stresse moins avec des abonnés et tout. Moi, je suis plutôt ici pour la passion. Je suis pas ici pour essayer de faire le plus de vues possible. Avant, oui. Mais maintenant, non. Parce que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Donc, évidemment que je me suis habitué. Donc, voilà quoi.
Mais bref, j'ai encore pensé avec le goal, c'est-à-dire le but c'est atteindre les 1000 abonnés avant 2025. Mais sinon, si j'atteins pas avant avant 2025, ben c'est pas grave, je peux l'atteindre en 2025. Mais sinon, je stresse moins avec les abonnés et surtout, ben, c'est le principal. Le principal c'est de s'amuser et tout et pas vraiment penser tout le temps à des nombres et tout parce que ça peut te stresser. Et de toute façon, je sais très bien qu'il y a des gens qui stressent pour les vues et tout et pour les nombres parce que je sais que les gens ils veulent percer. Mais le but c'est essayer de d'être le plus patient possible et d'essayer de pas trop stresser non plus et plutôt penser à s'amuser quand même. Donc voilà. Mais bref, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. C'était une vidéo encore une fois explication et que je voulais expliquer mes propres trucs et tout. C'était aussi une vidéo aussi féliciter les bonnes vacances. Parce que nous sommes en vacances maintenant. Mais voilà. Bref, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. C'était Steven de PEM. Du coup, si vous voulez voir plus de vidéos de Minecraft, de Roblox, de trucs, ce que vous voulez, dans les commentaires. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Je sais pas, peut-être une semaine plus tard. On verra. Du coup, je vous dis à très bientôt, les amis. Allez, ciao!